Salut à tous, c'est Exus Carter, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mystery Castle Hensville avec l'affaire numéro 4, donc qui s'intitule Fou en vadrouille. Alors, durée impartie 13 minutes, objet à trouver 23, le professeur Luna Ashtick s'est échappé de l'asile de Hensville et les habitants de la ville sont paniqués. Les autorités ont besoin de vous pour, la retrouver avant qu'elle ne fasse des siennes, retrouver la folle en cherchant des indices au café, au cabinet d'avocat et au musée des sciences. Lorsque vous avez recueilli assez d'indices, utilisez l'ordinateur, Alors, on va commencer. On a déjà vu le café, le cabinet d'avocat. Allez, on va commencer par le café. Désolé pour ce petit réglage de son. Alors, balle de tennis. Ça, normalement, c'est vert, donc ça devrait être là. Un petit bâton de sucre. Je pense que ça doit être ça. Là. Un parcmètre, ce qui est tout à fait logique de trouver. Un code de perroquet d'ailleurs. La brosse pour les petits coins. Ce qui est tout à fait logique de trouver également dans un endroit où on met les parapluies. Ce qui est tout à fait logique également de trouver le fouet pour battre le truc à côté de la brosse pour les petits coins. Ça va très très bien ensemble. Ensuite, on trouvera une gargouille. Gargouille, normalement, c'est le machin qui est en haut des églises. Donc, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Donc, ça devrait être en pierre. Enfin, en pierre, encore faudrait-il savoir de quelle couleur ils l'ont mis. Donc, j'ai tendance à dire que c'était ce truc-là, non? Non, c'est pas ça, apparemment. Ah, voilà la fameuse gargouille. Ensuite, une clé. Alors là aussi, quand il parle de clé, ça peut être plein de trucs. Donc on fait cette clé-là. Les petites lunettes. Et une autre brosse. On devrait être dans le coin, normalement. Mince alors. Une brosse. Non, c'est pas une brosse, hein. Ça, c'est un stylo. C'est pas ça non plus. Hop, 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 hop. Ça, c'est un genre de crayon géant. Ah, la brosse. Je vous dis, parfois, c'est vraiment très très bien. À tel point que parfois quand on le trouve pas et qu'on utilise l'analyse, on se dit mais non c'est pas possible, il était pas là, ils l'ont mis après, ainsi de suite. On va faire l'outil des sons qu'on n'a pas jamais fait. Alors un sèche-cheveux. Oui, un sèche-cheveux dans ce bordel. Un sèche-cheveux. Mais encore. Sèche-cheveux. Donc on va déjà trouver le sang. On va déjà chercher un peu de tout, comme ça c'est rappelé. Le sang du Chiron couvre un peu très bizarre. Ensuite une lanterne. On a la deuxième, je pense que ça peut être la troisième. Voilà, on va passer une bougie. La fameuse boule 8. L'harmonica. Ensuite une grenouille. Une fameuse petite grenouille qu'il faut toujours trouver. Allez comprendre pourquoi. Donc le fameux trait. Alors. Donc il reste quoi? Une lanterne. Donc la lanterne ne devrait pas être très compliquée à trouver. Ça devrait être dans le coin normalement. Lanterne. Lanterne.
un peu de sèche. Donc ça c'est bon. Ensuite on a une petite grenouille. Et la dernière, la lanterne, elle est. Je trouve très bien d'ailleurs. Ça, tout le monde s'en fout. Le fameux violon. Donc dans le violon, ça c'est un luth. Le violon, il est là. C'est trop clair de luth que j'arrive jamais à trouver d'ailleurs. Plume. Donc on a LD. La sculpture de femme. Le bouquin de poisson. Une plaque d'immatriculation. Donc je sais déjà que le moulin à café, il est quelque part ici, donc là. Moulin à café, on va trouver une plaque d'immatriculation. Elle est là. Donc le père de lunettes, on s'en fout. Alors, on va passer maintenant à faire le petit puzzle. Enfin, puzzle. Tac, ça va comme ça. Ça va là en dessous, comme ça. Donc elle a sa tronche là au-dessus. Non, donc ça va déjà pas là. J'ai que ça va là en dessous, donc la partie jaune. Alors ça c'est le reste de la partie jaune, ça ici, donc ça comme ça là. Le petit soldat. Le petit soldat qui est... Alors, marche pas ça? Ça devrait être là dans le coin normalement. Donc ça on s'en fout, ça va là. Elle, sa tête elle est où alors? Ah donc sa tête elle est là. Donc on va déjà pouvoir trouver le reste de son corps. Donc je pense que sa main doit être là dans le coin. Là il y a son épaule. Là il y a le reste de la machine. Là il y a la bonbonne Tesla. Enfin la bonbonne là. La truc Tesla. Là il y a le reste de la... Là il y a ça ça devrait aller là en bas, ça devrait aller quelque part là en haut, donc ça devrait aller comme ça, le reste des éclairs, je sais pas où elle va les mettre. Donc ça avec le disque ça devrait aller là, ça quelque part là en haut, l'harmonica je sais qu'il est en bas, les marches ici, ça devrait aller logiquement quelque part là, ça là en bas. La boule 8, elle était ici. Là, c'est bien aussi. Ça, comme ça. Ça devrait aller là, quelque part. Ça, comme ceci. Ça, ici. Ça, quelque part là, en haut. Ou ici, c'est bien aussi. Tac. Et voilà. Bravo. Donc la mission là elle est finie. Nininia se cachait pour faire des expériences. Grâce à vous, ce professeur fou retournera tout droit dans une camisole de force. Et donc on débloque le rang d'enquêteur. Et on a donc fini cette mission. Alors, cette vidéo est donc finie. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite pour la suivante. Salut !